t'as fini de footballeur. Ouais. Est-ce que tu regrettes déjà un peu de pas l'avoir été? Bonne question. Non. Je suis un gros fan de foot, hein, donc je te pose la question. Franchement, non, parce que en fait, bon, ok, si tu me donnes le choix entre avoir mon parcours ou être genre, je sais pas, un des top 20 meilleurs footballeurs au monde, je pense que je préfère être le footballeur, tu vois. Mais tu vois, si j'avais continué dans le foot, parce que j'aurais pu continuer, j'aurais pas réussi à faire top 20. J'aurais probablement réussi à faire professionnel, mais tu vois, j'aurais gagné, tu vois, j'aurais juste gagné ma vie, tu vois, ça aurait rien été d'incroyable. Et bah, je regardais les salaires des meilleurs footballeurs suisses, et tu vois, genre, enfin, c'est les figures qui sont en ligne, mais j'ai gagné plus que le meilleur footballeur suisse, tu vois. Donc je me suis dit, tu vois, d'une manière ou d'une autre, je suis aussi arrivé par un autre chemin à un certain niveau de succès, et au final, j'ai une plus grande passion pour le business. Pas, tu vois, l'argent, mais vraiment le business en soi, ça me passionne plus que le foot. C'est quoi, comment tu le définirais, du coup, le business? Tu vois, juste le fait de tu vois un produit, tu optimises, c'est juste, tu vois, tu construis une machine, tu vois, tu es un espèce d'ingénieur, tu construis une machine, tu vois, tu as des inputs, tu as des outputs, tu crées certains trucs, tu regardes le résultat, tu analyses, tu optimises, etc. Et tu as des flux d'argent, tu as des. C'est un art, tu vois, pour moi, je trouve ça passionnant, ça me fait kiffer. Genre, j'ai toujours été ultra intéressé par ça, j'ai toujours lu des livres sur le business, j'ai toujours analysé tous les business. À chaque fois que j'achète un truc, tu vois, je me dis, ah, qu'est-ce que c'est le marketing? Ah, je vais dans un restaurant, dans une banque, tu vois, je regarde, ah, quel employé fait quoi? Ah, est-ce que c'est optimisé? J'ai toujours eu une passion vers ça. Donc au final, je pense que de ne pas avoir continué dans le foot, et je suis, tu vois, intellectuellement, moi j'aime bien être stimulé intellectuellement, tu vois, le foot c'est plus physique. Et je pense que ça m'aurait manqué. Ça m'aurait un petit peu manqué. Après, tu vois, tu as plein de footballeurs qui sont ultra smart et à côté, tu vois, ils lancent des business, etc. Ouais. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais non, j'ai pas de regret de ne pas avoir continué.